Chers amis de la résistance iranienne dans le monde, à la veille de Noël et à l'approche du Nouvel An, je vous présente mes meilleurs voeux. Espérons que 2014 sera une année de paix, de solidarité et de bonheur pour le monde et l'année de la victoire de la liberté et de la démocratie en Iran et dans les autres pays qui souffrent, en particulier en Syrie et en Irak. Je souhaite également que les enfants réfugiés syriens soient à l'abri des bombardements et du froid de l'hiver dans la région. Noël est la naissance de Jésus, messager de l'amour du prochain, est une source d'inspiration pour la libération de l'humanité. Selon le Coran, il a dit « J'apporterai partout la bénédiction et la dignité au peuple. » C'est ce qui nous permet d'espérer la fin de la dictature religieuse et de l'intégrisme en Iran et dans le monde. À la veille de Noël, les mollahs en Iran non seulement arrêtent, torturent et exécutent les gens et les opposants, mais ils persécutent aussi les chrétiens. Des pasteurs ont été jugés pour atteinte à la sécurité d'État. Les églises sont soumises à des restrictions et des contrôles. Cette année, le régime a fait pression sur plusieurs prêtres pour qu'ils abandonnent leur activité religieuse ou qu'ils quittent le pays dans les 3 mois. Les mollahs ont privé les fidèles des autres religions de leur liberté de culte et de leurs droits. Par conséquent, beaucoup de membres des minorités religieuses ont dû quitter le pays. Ce comportement des mollahs est contraire à la culture et aux traditions de l'Iran ainsi qu'aux enseignements de l'islam, car le Coran ne fait aucune différence entre les prophètes. Dans l'islam, Jésus est un grand prophète. Chers amis, dans l'Iran démocratique et non nucléaire, de demain, fondé sur la séparation de la religion et de l'État, tous les Iraniens de toutes les religions ou croyances pourront vivre ensemble dans le respect et la liberté, dans la paix et la tolérance, sans aucune discrimination. Le peuple iranien est déterminé à se libérer et à instaurer la démocratie. L'avant-garde de la résistance iranienne se trouve aujourd'hui au camp Liberty en Irak. Ils ont décidé de ne pas capituler devant la dictature religieuse. C'est pourquoi les mollahs et leur gouvernement fantoche en Irak ont décidé de les anéantir. L'année 2013 a été l'année des massacres à Liberty et à Ashraf par les forces irakiennes à la demande de Téhéran et de l'enlèvement de 7 Ashrafiens toujours retenus en otage. C'est pourquoi nous devons continuer notre mobilisation en 2014 avec davantage de force pour la fin des exécutions et la libération des prisonniers politiques en Iran et la paix et la démocratie dans toute la région. Je suis sûr que grâce à votre aide, nous pourrons réaliser ses objectifs. Encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année.